Forte condamnation des actes violents et forte opposition à l'ingérence étrangère dans les affaires de Hong Kong, le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré mardi que les gestes perpétrés par certains extrémistes dans des installations endommagées du complexe du Conseil législatif constituent une violation grave de la règle de droit de la région. Le ministère a ajouté qu'il s'agissait d'une provocation envers la politique d'un pays deux systèmes de la Chine. Le bureau aidera le gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong à enquêter sur la responsabilité pénale des auteurs d'infractions violentes conformément à la loi. La chef de l'exécutif de Hong Kong, Carrie Lam, a aussi fermement condamné le recours à la violence et au vandalisme et a souligné que tout acte illégal commis par les manifestants ferait l'objet d'une enquête. Nous avons vu, et c'est ce qui a vraiment choqué et peiné beaucoup de gens, le recours extrême à la violence et au vandalisme par les manifestants qui ont fait irruption dans le bâtiment du Conseil législatif durant un certain temps. C'est quelque chose que nous devrions sérieusement réprimander parce que rien n'est plus important que la règle de droit à Hong Kong. Entre-temps, environ 165 000 résidents de Hong Kong se sont réunis dimanche après-midi sur les pelouses du parc Tamar pour exprimer leur soutien et leur reconnaissance à la police de Hong Kong. Les participants, parmi lesquels se trouvaient de nombreuses personnalités publiques, tenaient des pancartes et scandaient « Soutenez la police de Hong Kong, elle assure la sécurité et la stabilité ». Nous soutenons la police de Hong Kong pour protéger Hong Kong. Hong Kong est une société régie par la loi. Tout le monde jouit du droit à la liberté et nous devons respecter les lois lorsque nous exprimons nos opinions. Il devrait y avoir une justice dans le monde. Je soutiens la police ainsi que tous les résidents. Nous aidons la police à appliquer efficacement la loi. Nous soutenons la police. Une mobilisation sur l'Internet a aussi eu lieu avec plus d'1 million de votes de soutien envers la police de Hong Kong.